Française, français. Nous, on ne va pas commencer ici à faire des nanani, nanana, raconter sa vie. 2023, ça a été galère. L'inflation, déjà, c'est relou. La météo, c'est devenu n'importe quoi. Et la situation à l'international, pouhouhou ! T'as 5 minutes pour en parler ? Non, c'est pas le moment. Je crois que je vais vraiment avoir du taf. Mais en 2023, il y a quand même eu des trucs sympas, non ? Mais tu connais les gens. Tu sais comment ils sont dans ce pays. Ils sont remplis de « ouais, les séries françaises, elles sont toutes claquées, mais tout ça, c'est terminé. » Surtout sur Netflix, avec la série qui a tout cartonné, aux 1 000 milliards de vues, et le Bourronois. Lupin. Oui. Oui, j'aime bien Lupin. Mais je pensais plus à En Place. Il y a une saison 2 qui va arriver, là, ça va être lourd, lourd, lourd. D'ailleurs, pour la faire encore plus cartonner, j'ai ma petite idée. Bonjour, j'ai pu avoir un petit renseignement. Mais bien sûr, comment puis-je vous aider, monsieur le président? Ah oh non, les forts Lupin, vraiment, c'est pas facile. C'est qui? C'est le président. C'est le président Blaise. Oh, pardon. Alban? Ah, oh, je suis désolé, c'est à cause du déguisement. Mais tu sais que Aka, c'est un bête de ville pour moi, franchement, mais c'est ouf que tu sois là. Mais tu fais quoi ici? On m'a demandé de faire votre sécurité entre deux missions. Ouais, t'es pas hyper calé. Et tu devrais faire comme Adèle, dans Voleuse. Elle est hyper agile. Les gens, ils croient trop, je suis un bouffon, mais moi, c'est la rue, frère. Avant, j'ai fait des trucs dans la street. Il est pas en train de faire un malaise, là? Non, je crois qu'il danse, là. Nous sommes en direct du palais de l'Élysée, où le président Blé, tout juste élu, n'a toujours pas annoncé son programme. Oh, ma reine, jusqu'ici, tout va bien, Psartec. Alors, ce programme? Bah, tu sais, moi, la politique, c'est un peu au feeling. Hein. C'est un peu comme l'autre, là, avec sa série Tapis. D'ailleurs, il me ressemble beaucoup, je trouve. C'est un self-made man, moi aussi. Il chantait, moi aussi. Il m'inspire beaucoup, ce gars, vraiment. Attention, il a quand même fait de la prison. Pourquoi tu spoiles? Non mais pourquoi tu spoiles? Mais c'est de notoriété publique. Ah bon? Bah oui. Alors votre programme. Votre programme, monsieur le président. Bakary! Bakary, mon petit! Ça va ou quoi? Banlieusard 2, bête de film, hein. C'est mon bon petit ça. Vas-y, dis un mot à la France. Tu veux que je dise quoi? Bah je sais pas, vas-y, rap. J'aime pas le rap. C'est peut-être parce que t'as pas écouté ma mixtape. Tu sais que Netflix, ils voulaient que je sois dans le jury de la Nouvelle École. Ah ouais? Ah ouais, mais comme je suis président maintenant, j'ai plus le temps. Donc ils sont avec des seconds choix, bon, bref, tu vois. Ça va, mon gâté? Ouais, ça va, et toi? Paraît que tu dis à tout le monde qu'on est le second choix. Tu m'expliques? Non, j'ai pas dit ça. C'est pas toi? Non. Nous, on a écouté ta mixtape. C'est éclaté, gros. Ça dépend des points de vue, hein. Y a des trucs pas mal, quand même. C'est éclaté. Tu es président. Reste président. La musique, c'est pas encore le moment. Ouais. Bisous. Ouais, bisous, toi aussi. Alors, c'était qui au téléphone, monsieur le président? C'était de la pub. Et en plus des séries et des films sur Netflix, il y a des documentaires que jamais de ta vie t'aurais cru intéressants. Mais quand tu regardes, dans le fond, c'est grave, grave intéressant. Monsieur le président, moi, j'ai commencé à témoigner. Pour votre investiture. C'est comme ça, c'est pas bien? Si, si. Elle a kiffé. Ouais, la dernière fois, j'ai regardé un docu sur le Tour de France. Mais c'est fou, ce truc! J'ai un scoop à vous dire. Vous savez quoi? Celui qui gagne le Tour de France, eh ben, c'est pas le gilet jaune. C'est le maillot jaune. Pas d'amalgame, attention, pas d'amalgame. Donc on s'est bien compris, le quinquennat Blé, ce sera plus de films, plus de séries, et surtout la suite de... Lupin. Je parlais plus de En Place. Donc que tu sois blanc, noir, jaune, grand, petit ou moche, on va essayer de se la kiffer ensemble en 2024. Vive la France, vive la République, vive nous tous. Et si vous me permettez, j'aimerais bien finir sur une petite note de freestyle. 2024, c'est terminé les pâtes. On veut plus de soucis, on veut manger des sushis.